Salut, c'est TheRiser76. Bon, aujourd'hui, je vais faire la présentation de ma caméra sportive que je viens d'acheter à Decathlon au prix de 99,95 au lieu de 109. Alors voilà, c'est celle-là, c'est la Geonode GI-HD 720. Voilà. Alors, ça c'est le carton de la caméra. Voilà. Avec laser, ça c'est le carton du casier de étanche. Après dedans il y a eu ça, le connecteur pour recharger. Voilà. Après bon la mode mode d'emploi. Ça c'est une carte SD que j'ai eu à part parce qu'elle n'est pas fournie. Alors c'est avec le micro carte SD à insérer qu'on peut s'adapter comme ça. Alors après donc voilà, ça c'est caméra. Alors là le boîtier étanche je l'ai mis. Donc ça s'enlève comme ça, poussé comme ça, voilà, et ça s'ouvre comme ça. Donc pour la sortir, c'est un peu dur parce que c'est neuf. Voilà. Bon, ça c'est le, voilà le, c'est étanche jusqu'à 30 mètres. Bon, c'est orientable avec le petit trépied là. Voilà, 30 mètres, ça étanche. Bon, voilà la caméra. Alors comme vous pouvez le voir, elle est toute petite. Voilà. Alors, un angle de, je crois que c'est 180 degrés, oui. Alors ça, c'est le truc, c'est pour mettre l'écran LCD derrière. Voilà. Vous avez là la batterie Li-ion 3,7 V, voilà. Autonomie 2 heures. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Après, on peut filmer jusqu'à 60 minutes. Alors elle est toute simple, alors faut l'allumer ici. Voilà. Alors là, mettons que tout se mette au programme. Voilà. Après, voilà. Et après pour mettre le laser. Alors il y a un petit laser ici. Voilà, je vais vous faire voir. Vous allez entendre un bip. Voilà. Et là, le laser est mis. C'est un laser qui permet de visionner l'angle que vous voulez prendre. Par exemple, si vous voulez viser par exemple là sur le casque, vous misez le laser sur le casque. Je trouve que c'est assez pratique, comme ça on peut voir les prises de vue qu'on a à faire. Voilà. Pour filmer, on appuie une fois sur le bouton rouge. L'autre c'est pour prendre des photos, et oui, elle prend des photos aussi. Photo ici, on appuie. Voilà. Le voyant vert, et voilà. C'est la première photo. Elle fait aussi une fonction Vox qui permet de la déclencher à la voix d'un volume de 68 décibels qu'elle commence à filmer pour l'éteindre, tout simple, power off, voilà, tout simple. Alors maintenant on va passer aux fixations. Dans les fixations il y a ça, c'était pour l'aération du casque, mais moi j'ai trouvé que ça faisait je voulais mettre ça sur une perche, donc j'ai trouvé un bout de tube de PVC, j'ai fait ça, j'ai fait une perche qu'on peut fixer la caméra dessus comme ça. C'est pratique pour les tout ce qui est parachute, balançoire ou je sais pas trop, ou bateau, voilà tout ça, ou skateboard ou ski, voilà. Après bon, l'autre fixation c'est ça, c'est mon casque que j'ai mis sur mon casque. Là c'est une fixation curvée 3M de, je dirais, ouais, il y a de 5 cm sur 5. Alors ça se clipse, ça tient pas mal. Et puis il n'y a que deux fixations. C'est un peu minime, mais bon voilà, c'est déjà pas mal parce que c'est le principal qu'ils ont fourni. Donc après on peut en racheter en magasin. Vous avez aussi une télécommande qui permet de la contrôler. Mais au prix de 95, vous avez l'équivalent. Ça fait l'équivalent d'une. Attendez. Ça fait l'équivalent d'une GoPro. Je suis sérieux. Une GoPro qui coûte l'équivalent de la White Edition, qui est à 229 euros. Donc alors qu'elle coûte 99. Alors voilà la preuve qu'on peut mettre moins cher, mais la qualité est toujours. Alors à 109, oui voilà. Donc 109 euros parce qu'elle était en solde, voilà. Après et aussi, elle a un peu de, au niveau de la Silver Edition de,
je crois qu'elle coûte 300 300 par là, 319, un truc comme ça, la Silver Edition GoPro. Bah, elle prend la même les mêmes rendus. C'est qualité HD 720p HD en gros. C'est une Geonote et chez Life. Donc je vais faire un test. Voilà. Bonne vidéo. Bon voilà, la qualité est pas mal, comme vous pouvez le voir. Bah, l'audio aussi, je pense. Je sais pas si vous entendez. Bon là, je filme avec la caméra, la caméra sport. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je trouve qu'elle est pas mal avec un petit effet bulle. Alors de dehors, bah, ça fait comme ça. Bon, attendez, il y a la vitre. Hein. Ça vient d'un peu peut-être. Alors, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Salut, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut, c'est The Rider de 76. Aujourd'hui, je vais faire voir ma caméra sportive. C'est une Geonote HD 720p que j'ai eu chez Decathlon. Alors ça, après, vous avez que j'ai acheté avec. Vous avez la boîte aux lettres, le boîtier étanche, la boîte aux lettres. Non mais,